Que 15 minutes. Alors rappelez Danny et dites-lui qu'il faut qu'il rallonge son délai. Dites-lui que Sabian va arriver. Sabian ? Non, c'est Farley. Écoute, Farley, je t'ai dit que je ne voulais négocier qu'avec Chris Sabian. Oui, il est en chemin, il va arriver très bientôt, il faut que tu laisses plus de temps. Mais vous n'avez pas plus de temps, Farley. Danny, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fous, dites, c'est vraiment sérieux. T'as foutrement raison, c'est sérieux. Pourquoi vous me prenez pas au sérieux? Mais si, nous on veut, c'est... Je veux juste qu'on discute, d'accord? Attends. Tu voudrais essayer de me convaincre, Farley? Écoute, j'ai besoin de... Enfin, dis-moi ce que tu veux, ok? D'accord, Farley. Tu veux ta chance? Je te donne une chance. Ouais, on a un peu de temps avant que Sabian arrive. Qu'est-ce que je voudrais? Voyons, dis-moi, puis-je voir un prêtre? Non, tu peux pas voir un prêtre. C'est bien, Farley, très bien. Tu ne me laisseras pas voir un prêtre parce qu'un prêtre est associé à la mort et que tu ne veux pas que je pense à la mort dans mon état, c'est bien ça? Non. Mais tu viens de me dire non, Farley. Tu viens de me dire non. On ne dit jamais non à un preneur d'otages. Danny, tu voudrais te détendre un peu. Mais juste. Il n'y a pas plus détendu que moi. Je vais te donner un bon conseil. Jamais on ne dit non à un preneur d'otages. C'est dans le manuel. Alors, tu vas encore me dire non? Non, je suis pas. Non. Ah, mauvaise réponse. Tu dois éliminer le nom de ton vocabulaire. N'utilise jamais non, ne pas, il ne faut pas, je ne peux pas. Pigé? Cela élimine les options. Et la dernière option qui reste, c'est de tuer quelqu'un. Tu comprends? Oui, tout à fait. Très bien, tu vois, c'est très très bien ça. Si tu dis encore non, je tue un des otages. On recommence. Je peux voir un prêtre? Est-ce qu'on peut parler de ça plus tard? Mais on parle, c'est ce que tu voulais, non? Alors, est-ce que je peux voir un prêtre? Je vais voir ce que je peux faire. C'est très bien, Farley, tu commences à comprendre. Maintenant, je voudrais une mitraillette que je puisse tuer tout le monde. Je vais voir ça. Tu te débrouilles bien. Tu as déjà trompé ta femme? Non, attention. Je vais en abattre un. Tu as déjà trompé ta femme? Réponds. Je vais voir ça. Il faut que je réfléchisse. Tu t'es déjà déguisé en petite fille pour qu'on te donne une fessée, Farley? Danny, écoute, tu sais, tout ce que je voulais faire, c'était discuter avec toi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout ce que je veux savoir, c'est si tu t'es déjà habillé en petite fille pour qu'on te donne une fessée. Il faut que je vois ça, Danny, je ne sais pas. Tu sais, j'ai rien contre le fait que tu t'habilles en petite fille. Mais jamais j'aurais pensé ça de toi. Je trouve que tout ça est vraiment très improductif. Improductif? Tu as raison, ça l'est. Alors, raconte-moi une blague. Tu connais des bonnes blagues? Non, je... Non! Cette fois, quelqu'un vient de perdre la vie! On ne joue plus, mon pote! Coup de feu! Coup de feu! Il a tiré, vous voyez quelque chose? Lâche pas! Tu n'arriveras pas à me convaincre! Tu n'arriveras pas à changer l'heure fixée! Alors trouve-moi, Sabian! Il reste 6 minutes! 42! 41! 40! Danny! Quelqu'un est blessé! Quelqu'un est blessé! On va bien, mais dis plus jamais non, espèce d'enfant de putain! Oh, mais on va bien, calmez-vous. Allez, désolé, ça va. Non, ça va, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment le roi des cons. Va bien. Faites-moi un rapport. Quelqu'un peut me faire un rapport? Qu'est-ce que vous voyez?